Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité et bienvenue encore une fois de plus à suivre ce nouveau numéro de ce 1er février 2024 sur Congo Live Télévision. Monsieur Georges, notre invité du jour, Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour tous les internautes. Bonjour les frères, bonjour les Congolais, bonjour les Gomatraciens, bonjour les Kivusiens, bonjour les amis du Grand Nord Kivu, bonjour les amis de l'Ituri, bonjour les amis de Mushaki, bonjour les amis de Mweso, nous vous aimons trop. Vous oubliez les gens du diaspora? Les Congolais de la diaspora, je vois plus précisément M. Christian Poi, je te vois à New York. Je vois aussi Jonas, je te vois au Californie. Je vois aussi Eva à Cape Town, Afrique du Sud. Je vois aussi Jean-Pierre Kangou à Bruxelles, Belgique. Et tous les autres. On va commencer. Merci de votre salutation alors à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Sur Congo Live Télévision, Monsieur Georges, on commence avec la situation à l'est de la République. L'arrivée du général-major Chora Mabondani, nouveau commandant du 34e région militaire. Il est arrivé à Goma ce mercredi 31 janvier 2024. Il a demandé à la population de la province du Nord Kivu à être ensemble ou à lui soutenir afin de réussir cette mission. Il a laissé attendre qu'il est venu pour conduire les opérations militaires contre les M23. Un nouveau commandant. Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, il n'est pas commandant des opérations, mais plutôt il est commandant région. Il vient administrer la région militaire 34e. Moi, j'ai dit tout simplement. Tout d'abord, soyez le bienvenu, monsieur le commandant région. Sentez-vous dans votre repos et essayez de vous vêtir aussi la situation du Nord Kivu. Essayez de vous familiariser aux affaires du Nord Kivu. Nous sommes à problème. Vous venez peut-être être l'un de ceux-là qui vont nous aider à trouver solution à notre problème. Commandant, moi je vous dis bienvenue. Je vous souhaite un très beau travail. Je vous demanderai d'être surtout du côté du peuple. Parce que Félix Tshisekedi, le commandant suprême qui vous envoie ici, il vous envoie avec une seule mission, venir servir le peuple congolais. Ne jamais trahir le Congo. Je pense que c'est ça la mission qui vous a amené ici. Essayez de faire la différence. Au poste auquel vous êtes hissé aujourd'hui, c'est un poste qui a déjà connu plusieurs commandants régionaux. Venez faire la différence. Venez faire la différence, mon commandant. À Goma, il y a à boire et à manger. Si vous n'êtes pas prudent, bon, ce n'est qu'une parenthèse. La prudence exige, mon commandant. Vous-même, vous allez le sentir quand vous serez déjà en pleine fonction. Goma n'est pas la moindre. Venez tout simplement avec une mission, la seule mission de servir le peuple congolais. Sinon, le reste, vous risquerez de connaître la même situation que les prédécesseurs. Nous vous disons, moi, je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne carrière militaire parce que la région dans laquelle vous venez œuvrer n'est pas la moindre. Et surtout qu'elle est à côté du Rwanda. Le Rwanda est à côté de vous, à 100 mètres de vous, de votre bureau. Si pas à 500 mètres de votre bureau, il faut être prudent, mon commandant. Vous, personnellement, vous estimez qu'il fera un travail et on peut compter sur lui? En fait, nous devons compter sur lui. D'ailleurs, moi, j'ai dit, j'estime beaucoup son arrivée. Si on l'a envoyé, c'est parce que
on a placé confiance en lui. Et cette confiance, il ne faut pas la gâcher. Surtout que les Rwandais sont à côté de vous. C'est une prudence. Le Rwanda est à côté de votre bureau. Soyez prudent, mon commandant. Rien que ça. L'armée poursuit des bombardements sur des positions des rebelles dans des zones de Karuba, Mushaki et Masekera. Monsieur Georges, il y a des bombardements, des détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues même au niveau du quartier Ndojo de la ville de Goma, voire même le quartier Mukunga, voire aussi la cité de Sake. L'armée ne respecte plus les cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été levé il y a longtemps, monsieur David. Et voilà maintenant que l'ennemi commence maintenant à pleurer les larmes au rouge, à la couleur, à la couleur du sang. En fait, moi je suis très content. Et la population gomatracienne, kivusienne est très très contente de toutes ces opérations que vous avez commencé à intensifier. Moi je suis très content. Je suis très très content de cette situation. J'aime de la manière dont vous êtes en train de prester pour le moment. Les Sokoi montent chaque jour, nous sommes contents. Les drones bombardent tout le temps, nous sommes très contents. Mais essayez maintenant d'avancer aussi les hommes sur terrain, forces terrestres, avancez aussi avec vos opérations, nous serions très contents avec vous. J'appelle aussi la population de toute la région, Nord, Sud, Kivu, Ituri, je vous appelle aussi à un soutien total à nos FARDC qui ont maintenant intensifié les opérations. Soyons soudés, nous devons être soudés pour que ces opérations atteignent ses objectifs. Nous devons accompagner nos militaires. Pas chaque fois critiquer les militaires quand il y a peut-être un petit couac. Moi, j'ai toujours été très inquiet de ces gens-là qui cherchent toujours à critiquer les militaires, alors que les militaires font un travail qui n'a jamais été peut-être vécu par d'autres personnes. Un militaire, il se sacrifie. Il sacrifie même sa famille. Il sacrifie pour la nation. Et il y en a qui trouvent même des mots envers les militaires. C'est pourquoi, peuple congolais, surtout nous de l'Est, accompagnons les opérations. Aux militaires de la SADC, je vous demande de venir aider ce peuple congolais, d'être toujours attentif au conseil de nos FARDC, parce que ce sont eux qui connaissent au moins les terres que vous venez aussi arroser aujourd'hui. Ce sont les FARDC qui ont plus, d'expérience dans la région. De ce fait, nos militaires de la SADC, vous qui avez accepté venir servir la région de la SADC en RDC, moi je vous estime beaucoup. Il ne faut pas que vous nous desserviez comme ceux de l'EAC. Mettez-vous au travail pour servir le peuple congolais. Et le peuple congolais vous sera très reconnaissant de toute votre vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce silence de la SADC jusqu'à présent? La SADC vous a déjà annoncé. Elle vous dit qu'elle est venue pour faire l'offensive. Et nous sommes en train de voir. Vous savez, la SADC a accompagné déjà les forces à Mushaki depuis mardi. Non, la SADC est déjà sur le terrain. Mais les opérations qui réussissent ne se proclament pas sur radio. Même votre femme qui sera la meilleure femme, elle n'annonce pas ces merveilles qu'il va faire dans votre maison. Si vous trouvez quelqu'un prendre chaque fois les médias, surtout un militaire, ou soit par exemple un politicien, dites-vous qu'il ne fera pas beaucoup. Batonga Kamboka na Malobate, Kasina Misala, laissez les militaires faire leur travail en silence.
Laissez-les travailler en silence et cela suffira. Où sont les Oisalendo à présent? Ils sont aussi dans, ils sont sur les lignes de front. Pour votre information, hier à Mouesso, ils ont baptisé. Ils ont broyé les hommes de Kagame. Alors, actuellement, c'est opération silencieuse. Travailler, mais ça pour autant faire beaucoup de bruit des médias. Travailler, ça pour autant faire des bruits médiatiques. Travailler, ça pour autant déranger les journalistes. Seulement, nous allons les coter par leur performance et efficacité sur le terrain. Point barre. Territoire de Masisi, cité de Mouchak, qui sont là actuellement? Bon, selon les informations que nous retenons des hommes du terrain, l'armée est déjà à Mouchak. Les FARDC, les Ouazalènes sont déjà à Mouchak. Mais on nous apprendra que les militaires de M23 se sont enfermés dans les maisons des civils. Et nous sommes déjà au courant. Mais sinon, la cité de Mouchak, actuellement, elle est normalement contrôlée par nos hommes FARDC et les Ouazalènes. Mais avec les M23, qui se sont assimilés à civils et qui se sont même enfermés dans des maisons. Malheur à eux, parce que nous allons toujours les dénicher là-bas. Pourquoi ils s'enferment toujours dans les maisons des civils? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ils ont peur de ce qui est en train d'être fait. Les secours qui montent chaque jour, là où montent les secours, attention David, ils ne peuvent qu'avoir peur. Nous avons appris qu'ils sont en train de renforcer, bon, sans effet. Quatre camions remplis de militaires de l'armée rwandaise et de munitions ont traversé la frontière de la République démocratique du Congo depuis le lundi. Il y a des armes qui sont amenées toujours pour renforcer les M23, des hommes qui sont toujours apportés pour renforcer les M23. Mais d'autres là qu'on remplace, ils vont où? Ils rentrent. Peut-être vous allez me demander, est-ce qu'il y a toujours une relève? Quand on vient relever les autres, ceux qui sont relevés restent où? Voilà. C'est-à-dire, pour l'opération de la RDC, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Il n'y a que des saccages. On saccage et on vient pour renforcer. Pour tenter peut-être encore la chance. Et tous ces gens-là, laissez tous ces camions-là entrer au Congo. Même tous les Rwandais, laissez tous les Rwandais entrer au Congo. Nous allons vider les Rwandais par nos secours. Laissez-les entrer. Avez-vous déjà vu quelque part où on envoie les gens sur la ligne de front, ils ne reviennent plus, on envoie d'autres, ne reviennent plus, on envoie d'autres, ne reviennent plus, on envoie d'autres, ne reviennent plus. Finalement, vous qui envoyez les gens, est-ce que votre tête est normale? Il n'y a pas de relève. Mais nous sommes en train de voir chaque jour comment les FADC se relèvent. Il y a relève, on vient, on fait changement sur la ligne de front. Même nos Ouazalènes, ça se fait quotidiennement. Mais pour les Rwandais, ce n'est pas comme ça. Vous venez, on vous saccage, vous envoyez d'autres, on vous saccage, on envoie d'autres, on vous saccage. Et jusqu'à quel jour? Laissez-les, ils apprendront. Actuellement, je suis content. Vous savez, je suis content de ces opérations. Quand on a commencé à intensifier les opérations, moi je suis très content. Chaque fois, bon, toutefois, on a toujours dit que quand ça brille chez les voisins, il n'y a pas fête. Moi j'ai dit non, un voisin bandit criminel, il y a fête. Quand un voisin criminel, il y a un problème, moi je ne peux que festoyer. D'ailleurs, j'allais même ouvrir la champagne. Pour la guerre? Mais comment? Une victoire, non, il y a déjà une victoire. Je n'ai jamais été très gentil comme ça devant le micro. Dites-vous que j'ai déjà une très bonne nouvelle sur les lignes de front. Laissez-les renforcer. Qu'est-ce qui évolue là-bas au juste pour votre joie comme ça? Non, qu'est-ce non, 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 actuellement,
Qu'est-ce qu'il y a? Actuellement, mwana wa munyarwanda analia. Comment est-ce qu'il soit en train d'être Dis-nous, monsieur Georges, bah, qu'est-ce qu'il voulait? Les Soko, il quand il monte. D'ailleurs, je ne venais que de voir aussi les poumons monter. C'est donner la mort aux Rwandais. Et bientôt, là, le Rwanda va directement peut-être stopper avec la guerre. Parce qu'il n'y a pas guerre de cause. Ils ont déradé les gens. Non, nous serons à Sake. Nous allons fêter à Sake. D'ailleurs, il n'y a pas 5 jours, nous serons à Goma. Malheur à eux. Malheur à eux. Ils ne verront jamais la ville de Goma. Ils ne verront jamais la cité de Sake. Ils vont finir dans les montagnes de Mushaki, de Kilolirwe, du parc national de Virunga, dans les Karenga, de Kibumba, je ne sais pas, Rugari, Rumangabo. Ils vont finir. Kanombe partout là-bas, ils vont finir. Ils vont finir. Au final, le gouvernement et l'armée congolaise se focalisent dans les territoires de Masisi, mais dans les territoires de Rutshuru, tout a échoué. Vous savez, la racine, la vraie racine de ces gens-là, ça se trouve dans les territoires de Masisi. D'ailleurs, un jour, un député l'avait déjà prédit avant qu'il n'arrive à Masisi. Il disait ceci. Une fois que les M23 arrivaient à Masisi, il va plus enraciner son état de nuisance. Et c'est vrai, vous savez, presque tous les pâturages qui se trouvent dans les massifs, que nous appelons massifs orientales, donc massifs qui partagent la frontière avec le Rutshuru, tous les pâturages se trouvant là-bas appartiennent aux gens qui ont presque une connotation déjà disons peut-être de connivence avec les Banyarwanda. Quand vous arrivez à Mushaki, à commencer par Kimoka ici, il n'y a que des fermes. Les fermes appartiennent à une communauté que moi je vais taire les noms, mais qui a toujours cherché à se victimiser d'être toujours derrière les M23. Et ces gens-là, c'est comme si vous êtes au Congo, mais vous avez des racines au Rwanda. Vous avez toute la richesse au Congo, mais c'est comme si cette richesse est contrôlée par le Rwanda. Et c'est pourquoi dans ce pâturage-là, la guerre doit toujours persister. Parce que c'est comme si les pâturages appartiennent aux gens qui nous font la guerre. Et ils se connaissent. Ils se connaissent bien. Je dois taire les noms, mais ils se connaissent. Parce que quand vous arrivez à Mushaki, vous montez vers Karuka, vous allez jusqu'à arriver à Mouesso. Tous ces pâturages, si la route est Sake, Kilolirwe et Kichanga, Mouesso, il n'y a que des pâturages. Les pâturages appartenant à déjà à une communauté comme ça que moi je taire les noms. Et cette communauté s'est toujours victimisée, dit non, non, vous voyez. On nous malmène, c'est comme si nous sommes mal vus, la guerre est venue pour nous. Pourquoi toujours chez vous? Et les militaires de M23 se cachent dans vos maisons. Il y a plus de 400 tribus au Congo. Pourquoi seulement eux qui sont poursuivis? Voilà! C'est aussi ma question. C'est une question j'allais aussi les poser. Pourquoi seulement vous qui êtes poursuivis alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas poursuivis? C'est-à-dire, il y a Ankouye sous roche. Est-ce que vous savez très bien, David? C'est toujours même dans la cité de Kilolirwe où était établie la capitale du CNDP de Laura Kunda. C'est toujours dans les massifs ici, à côté de Mushaki. Et le centre de formation de Kunda était établi à Mushaki. Pour vous dire que cette région-là a toujours servi de rébellion de ces gens-là. Kunda est au Rwanda, il a fui au Rwanda. Ça ferme à Mushaki, ça ferme à Kilolirwe. Ah, Congo, le gouvernement congolais. Mon Dieu. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi a pris demi-terrain.
bakoyoka. So ba changete. Bakoyoka. Ba comme la pema. Yambalo. Ha. Moyete. Ah. Donc ils doivent respecter les lois de la République. Si pas comme ça. Ah. Ça va. Pour Rutshuru, quelle sera la solution? À Rutshuru, c'est question de temps. Il suffit que Massi soit libéré. Rutshuru, c'est deux jours. Je rappelle bien que là, ça fait plus de 2 ans. Il n'y avait pas d'élection. Il n'y a pas eu élection. On n'en parle même pas, les enfants là. Non, non, ils, non. Non. Il y a pour le moment, il y a coup. La couleur du tableau. Pour le moment, il y a coup. Il y a coup. Sauf dans le groupement de Boussanza. Mais Yakour, à Kiwanja, il y a cours actuellement. Ça fonctionne vraiment. Oui, oui, Yakour. Il y a cours. Et le gouvernement congolais a l'espoir de rétablir cette région. Mais oui, oui. Je disais tantôt hier que. Etikali Mikolo Yakotanga. M23 a commencé à nommer ces gens déjà dans la région, je rappelle bien. Oui. Vous savez, la rébellion, c'est toujours comme ça. Même à Kidale, au Mali, c'était toujours comme ça. Mais un moment venu. Tous ces rebelles avaient fui, les djihadistes, les Mujahos, ils ont fui. Quand le Mali a pris la relève, et quand les FARDC avec Sadek Kevari, avec Wazalendo évidemment, vont arriver, tous ces rebelles rwandais vont fuir. On finit avec ceci, Monsieur Georges. Oui. Vous, Congolais, comme un frère de Corneille Nanga, quel est votre conseil? Tout d'abord, Nanga, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il est né au Haut-Touélé. Il a toute une famille élargie, restreinte, même peut-être une famille, peut-être même son frère gouverneur au Haut-Touélé. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'aller embraser les Rwandais d'environ 800 km de chez lui? Pour quel intérêt? Quel est l'intérêt de ce peuple de Haut-Touélé dans cette histoire? Nanga, quitte cette histoire. Si tu es encore à vie, peut-être, mais moi je ne crois pas que tu sois à vie. Si tu es encore à vie, quitte cette histoire. Les Haut-Touélé que moi je connais, j'ai fait 5 ans à Iziro. Je ne vois pas un peuple d'Iziro qui peut embraser une rébellion. D'ailleurs, là, on n'aime même pas la rébellion. On n'a jamais même senti la rébellion. Et vous, maintenant, vous venez, quelqu'un qui n'a jamais vécu la rébellion, il vient maintenant embraser la rébellion. Laissez les Batutsi rwandais dans leurs affaires. Allez vous occuper de vos frères Haut-Touéliens, bon, comme je peux le dire, je ne sais pas comment on peut les appeler. Un message pour le FARDC. Nanga de sa part, il a entendu. Pour le FARDC, alors. Pour le FARDC. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je suis content, je suis joyeux de cette activité que vous avez intensifiée. Nous sommes en train d'apprendre que tous les jours, vous faites monter les Sokoï. Tous les jours, vous donnez la mort aux bandits. Nous sommes très contents de cette histoire-là. Et nous supposons que d'ici la fin de la semaine, si pas le début de la semaine prochaine, vous serez déjà à Kichanga et à Bouiza. Et comme ça, le mois de février, nous allons finir avec cette histoire dans les Rutshuru. Et comme ça, on libère les gens de Rutshuru. Et on organise les élections dans les Massis et Rutshuru. Et on établit le pouvoir des civils. Et comme ça, on va mettre fin à l'état de siège. Mais c'est vous, militaires, qui devez normalement nous aider à rétablir ces histoires, comme je viens de le dire comme ça. Parce que votre travail. Votre travail, disons notre pouvoir, notre façon d'être, même moi, Georges, je n'ai pas toujours de votre travail sur le terrain. Votre numéro, alors mon numéro, je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec M. Georges. C'est 1er février 2024. Merci M. Georges et à nous revoir encore à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, David.